Et surtout elle pleure, Gaussu n'est pas content. Et surtout elle parle pas, et Gaussu n'est pas content. Et surtout elle dort, Gaussu n'est pas content. Ah, il me calme, dis mais c'est. Kate, je prendrai soin de toi. Appelle-moi Indiana Gauss. C'est qui? C'est Aïssa. Bonjour. C'est le jour J. Voyage à Zanzibar. Il est 4h30. J'attends mon connard de pote qui devait arriver à 4h. Il est toujours pas là. Donc si je rate cet avion, ce sera ce connard de Congolais. Donc du coup, je l'attends et on cherche Aïssatou. Après, chercher Aïssatou, on va à l'aéroport. Voilà. Mais c'est un truc de ouf, ce mec. En plus, il a le culot de me dire où je suis. Il est même pas là. Voilà. J'attends. Dans le froid. Voilà, si je tombe malade, c'est à cause de lui. Voilà, je vous montre sa plaque. C'est bien lui, là. C'est même pas lui. Mais j'ai juré, c'est un truc de ouf. La tête de ma mère, c'est un truc de ouf. Il me dit de sortir. Il m'a dit, il était là. Hein. Il m'a dit, il était là. Hein. Tout ça pour dire, choisissez bien vos amis. Vraiment. C'est lui, c'est lui. Voilà. Donc, si vous avez des choses à faire, faites. Je vais vous montrer sa plaque. Voilà. Si vous avez des choses à faire, c'est lui. Voilà, merci. Ce mec, il n'est jamais à l'heure. Je vais rater mon avion et ce sera à cause de lui. Donc vas-y, porte. Parle pas avec moi, porte. Taxi. Putain, elle est noix. Allume là. Bon, on a retrouvé Aïssatou. Voilà, on y va. Oula, 10. Oh, hop là. C'est 12. Ok, vas-y, c'est carré. 18. Oh, carré. Bah, baisse-toi, tu veux baisser. Vas-y, lève. 23 piles. Voilà. 23 piles. Bon, bah, tais-toi. Tais-toi, bref. Pour moi? Non. Pose-la. J'ai rien acheté pour toi, mon frère. C'est mes affaires. Il a 6 kilos, ça veut dire s'il y a un problème, passe ici, mon gars. Voilà. Là, tu fais semblant parce qu'on est filmé parce que tout à l'heure, tu me disais que j'allais me démerder. Tu vas te démerder. Tout s'est bien passé, hein. Pas de problème. C'est carré, on y va. En vrai, c'est vrai, hein. Tu veux pas être énervé ici, wesh. Là, tu veux pas, wesh. Moi aussi, un peu. Moi, avec mon daron, je suis énervé. Hein. Quoi, je voyage juste pour l'accompagner, mon daron, je suis énervé. Il est où? Va me prendre ça. Il est où? Rappelle-moi ça. Et on doit arriver à l'air. On va arriver. Mais c'est tout le monde, tu aurais fait tout le monde. C'est tout le monde, quoi, c'était parti avec mon daron, mon père, mon bled. Je crois qu'on arrive à l'aéroport à 8h, qu'on a pas les gens à 13h, 14h. Ah bah c'est, en plus, je crois que c'est, en fait, tous les darons, je pense que c'est pareil en vrai. Voilà. On est arrivé 2 heures avant. Ouais, on est arrivé 2 heures avant et le truc, le vol il est à 7h10. Donc du coup, on va à Amsterdam. Ouais. À Amsterdam, on fait escale. On reste combien de temps? Une heure ou deux, je sais pas. Et après, on fly. On fly Zanzibar. Oui, je vais dire. Voilà, donc du coup, grâce à Gaussu, nous ne payons pas d'excédent, car Aïssatou a dépassé le poids qu'il fallait. Du coup, heureusement que Gaussu est là. Un truc à dire. Je suis fatiguée et j'ai froid. Gaussu, il s'en fout en fait de moi. Après, elle va nous inventer une maladie. Tu devrais me passer le bleu. Il n'y a pas cristalline. Il n'y a pas Evian.
cassé ma valise. Ils ont cassé ma valise, voilà le premier problème. Je vais faire une réclamation, hein, pour rembourser ma valise qu'ils ont cassée là. Magnifique. La go des Zanzibars, Zanzibariens. On vient d'arriver dans la première chambre, donc là on va passer une seule nuit ici et après demain on part à Dar es Salaam. Donc voilà, c'est mignon. Bref, pardon. Voilà. Donc ici on reste qu'une seule nuit. On reste qu'une seule nuit et demain on part à Dar es Salaam, Inch'Allah, à 10h. Notre chauffeur il vient nous récupérer. Explique ce qui s'est passé là à l'aéroport ou pas? Oui, explique. Vraiment, vraiment, parce que c'est. On préfère vous prévenir. Quand vous arrivez à Zanzibar, faut faire un visa. Soit vous le faites avant de venir, ce qui est mieux. Ce qui est mieux. Soit vous ne le faites pas, vous faites les signants ou vous êtes pas au courant. Et bah vous arrivez à Zanzibar et vous prenez une heure. Ouais, une heure pour remplir des papiers. Après vous payez 50 euros. 50 euros pour faire le visa. Le visa il est plus disponible dès que vous sortez, dès que vous passez les portiques. Paf, le visa il est. Ouais, c'est bon. Il est valable. Donc voilà. C'est, pour l'instant, c'est l'inconvénient. Là, on vient d'arriver. D'échanger directement l'argent parce que dans les hôtels, certains hôtels, ils prennent pas l'euro. Ils prennent que le dollar. Ici, ils vivent que avec le dollar. Frère. Ouais, mais explique comment on a réussi à rentrer, s'il te plaît. On a réussi à rentrer parce qu'on a payé plus. Ça commence. On a pas payé beaucoup, mais vas-y. 6 euros le 2. Mais bon, bah. En fait, aujourd'hui, c'est pas notre jour. J'ai capté. Aujourd'hui, c'est pas pour nous. Donc là, on vient de découvrir que ici, il n'y a que des chargeurs universels. Du coup, nous, ce qu'on a en France, ça ne marche pas ici. Donc là, il me reste 9%. Et surtout, il lui reste 38%. Là, on vit sur une ligne, ma gueule. C'est bon? Sur 10? Y'a pas abusé, frère. C'est pour ça que je te demande sur 10. Même moi, j'ai fait ça, ça veut dire. 3. C'est pas un truc exceptionnel. Hein. Oui, mais ça n'a pas besoin d'être exceptionnel pour que tu mettes au moins la moyenne, Gaussou. Pas envie. Ok. On va où? Explique. Dis-nous où on va. On va où? Bah, on va à l'aéroport. Hein? Déjà, on va aller acheter un chargeur, changer la monnaie et va à l'aéroport. On va faire quoi à l'aéroport? Prendre l'avion. Non, mais pour aller où? Pour aller Dar es Salaam. Dar es Salaam pour après partir demain au safari. Bye l'hôtel, au revoir l'hôtel, au revoir la chambre. Au revoir la salle de bain, au revoir les toilettes. Alors, je vous explique, on a eu un petit problème avec Gaussou. Il avait oublié son passeport à l'hôtel. Et Alhamdoulilah, on a réussi à le récupérer à temps. Du coup, là, on est dans le bus et on va à l'avion. Gaussou, le touriste. Donc là, on va à notre vol. On vient d'arriver dans le deuxième hôtel, ça ? Ouais. Deuxième hôtel pour demain bouger au safari. Là, je vais vous faire un peu de room tour. Là on est venu pour manger, c'est grave beau. On va manger et non, tout, en face et tout, de fou. Parce que tout le monde nous guette. Qu'est-ce que tu penses pour l'instant de Zanzibar? C'est bon, en tout cas aujourd'hui c'est pas mal aujourd'hui. Bah, on a trouvé aujourd'hui, tout aujourd'hui, c'est une bonne journée aujourd'hui. Tout tu filmes comment?
Non mais oui, comme ça. Parce que si tu fais comme ça dans le montage, elle serait tout bas. Ok, bah fais le montage alors. Ok, du coup. C'est ça que tu vas faire le montage, wesh. MDR. Pourquoi? Bah non, parce que je te demande de filmer d'une manière. Oh, tu fais la meuf énervée. Je suis pas énervée du tout. Alors là. Je vais faire la meuf énervée, ouais, alors là. C'est Dave. Ok, du coup là, on va manger dans ce restaurant là. On va manger ici. En face de la mer. Donc, ils ont l'air de faire beaucoup de poissons et tout, donc on verra. On va tester. J'espère que c'est bon par contre parce qu'on a super super faim. On a faim. C'est qui? C'est Aïssatou, c'est qui? C'est Aïssatou. Ok, du coup, j'ai commandé une salade. Bien évidemment, Gaussu veut manger, vous avez vu? J'ai dit, Gaussu, je prends une salade. Il m'a pas guetté. Et là, il veut manger ma salade. Goûte les avocats. Tu dis, c'est les mêmes avocats que la France. Goûte. Mmh. Oh, ça a l'air dur, wesh. Même pas de sauce, wesh. Il y a de la sauce sur l'autre côté. Mais ta sauce dessus, il n'y a pas de sauce sur l'autre côté. Bref, goûte les avocats. Tu me dis, c'est le même goût que la France. Non. C'est mieux? Hein? Je sais pas. Là, en fait, là, il veut que je laisse manger. C'est bon, je coupe. Ouais, s'il te plaît. Je mets 8. 8? Je vais mettre un point parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de sauce. Ok. Et dans la deuxième point parce que l'avocat, il n'est pas mûr. Ok. Moi je mets 6. Ouais, regarde-moi bien. 6. T'es un menteur. 6. Cru. C'est pourquoi 6? Pourquoi? Parce que déjà de 1, avocat. Tu seras pas un avocat. C'est pas mûr en fait. Donc moins 1 point. Il y a moins 1 point, moins 2 points même. Ça c'est très 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 très. C'est quelque chose qu'il faut pas faire. De 2, la sauce, il n'y en a pas assez. De 3. Même que tu gères. Non, c'est juste que voilà quoi, c'est pas... J'ai déjà mangé mieux, donc 6. Mais le fait d'avoir mis de la mangue et tout, c'est bien. Voilà, le surplus, pourquoi la moyenne? Parce qu'il y avait de la mangue. Prends-en de la graine, s'il te plaît, pour faire à la maison. Demande-leur la recette. Ok, voici mon plat. Moi, je préfère le plat de Gaussou. En gros, ça, je crois, c'est de la purée de pommes de terre, crevettes, une petite salade. Et Gaussou, t'as pris quoi? Du riz. Poisson, riz, salade. Bon appétit. On va partager. On a fini de manger. C'était bon. Non, il est venu chercher des glaces. Mais c'est des gros laits. Scrignac. Voilà. J'ai jamais vu ça, frère. Voir. J'ai hâte de faire la colle, voilà. C'est bon, hein. Le soleil, hein. Non, c'est bon. C'est bon, non? Ah, c'est bon. Mais là, je veux aller à l'ombre. T'es maté la vue. Bon, on écoute le match, il y a 3-1 pour le Sénégal. Qu'est-ce que t'as à dire, Gaussou? Mec. Direct du safari avec madame. Regardez comment je suis pas plus là. On a fait 8 heures de route. 8 heures de voiture. 8 heures de voiture, Starfield. Là, comment j'ai mal au cul. Là, on commence le safari. Là, on a vu quoi? Des girafes. On a vu des girafes, on va vous mettre. On a zèbre. Vu des girafes, zèbres. C'est quoi ça là? C'est les cerfs. Les bébés des cerfs. C'est quoi les bébés des cerfs? Je sais même pas. Là, il y a des zèbres là-bas. Ça, on va vous montrer. Mais là, quand tu veux voir un lion. Moi, je veux voir un lion. Si je vois pas de lion, je suis... Je suis vert. Hein? Je suis vert. Ouais, je suis vert. Vraiment, vraiment. Est-ce que tu peux leur dire où on a mangé aussi? On a mangé dans un endroit, ma gueule. En fait, vu qu'on a fait 8 heures de route, en gros, c'est arrêté dans un petit village. C'était un village, hein? Ouais. Vous savez, c'est les petits bars de trucs, tu vois? Ouais, tu les... Ouais, les petits bars, là, comme ça, tu là. Tu manges grave, des trucs grave traditionnels, mais pour nous, voilà, quoi. Moi, bah, j'ai rien mangé. Donc, tu l'as mangé, hein? Moi, j'ai mangé, hein. Si t'as Konoboli, après, faut pas dire, je vois quoi. Ah, t'as Konoboli, frère. Moi, j'ai mangé, hein, le riz était bon avec les haricots, c'était bon. Toi, t'aimes bien? C'était pas. Là, le poulet, ouais, j'avais même pas coupé. Ouais, le poulet déjà était froid. Là, j'espère que ce soir, on va bien manger. Ce soir, ouais. J'espère qu'on va bien manger ce soir, on sera bien logé. J'ai pas dormi hier, fatigué de ouf. Pas dormir dans la voiture.
peux rien faire, frère. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer, Inch'Allah. Là, on cherche un lion. On cherche un lion. Là, on a vu des tigres, non, des lions. On a vu deux lions qui ont mangé un bébé buffle. Ça faisait trop de la peine, le bébé buffle était tout ouvert et tout. Donc on vous mettra pas les images, bien évidemment. Mais c'était trop triste. Donc, moi, j'ai trouvé ça triste. Dans il a trouvé, il a rien trouvé mieux à dire que c'est la loi de la jungle. La loi de la jungle, là. T'es petit, tu fais manger ma gueule. Ça. Tu trouves ça normal? Ouais. Il a vraiment pas de cœur. En fait, moi je pensais qu'en arrivant, on allait aller d'abord déposer nos affaires et tout. Et moi j'avais une combi short, kaki et tout, grave dans le safari et tout. Mais en fait, on est arrivé, du coup, il a pris nos passeports pour faire les papiers et on est directement parti. Donc là, on a notre dégaine de ce matin là. C'est même pas changé et tout. Donc j'ai même pas pu bien préparer pour faire de belles photos et tout. Pourquoi je lève les yeux aussi? Un safari ou tu veux acheter des photos? Bah, je vais à un safari pour prendre des photos. Je vais prendre plein de photos en fait. T'as dit quoi? Oui, pas longtemps. On a préféré un safari ou un coco de paradis? Mais venez-moi, mets là. Bon, du coup, là, on a trouvé les éléphants. I'm lucky or no? Yes. I'm lucky. Very. He's the guy. Boss. Just fight it. See? Fight. You start off. Ah, you make him dine, c'est. On est arrivé, on va dormir. Ouais, on va dormir. J'ai vu des singes au loin, donc peut-être qu'on va voir plein de singes. Oh, you? Comment ça va? How are you? How are you? Comment ça va? Va? Yes, bonjour, comment ça va? Ça va, ça va bien? Yes! Bonsoir. Bonsoir. Alors là, c'est notre chambre et regardez, il y a des singes, plein de singes devant notre maison. Regardez là. Et là, c'est notre room. C'est dangereux. Hein. Voilà, on va sortir ce soir. Et si on fait Mundi, comment on peut gagner? Je pense qu'on peut gagner. Regarde, déjà, on a fait un jour, on vient d'arriver. Ouais, j'aime bien, mais je préfère les hôtels. Mais qui n'aime pas? Parle! Tu préfères l'hôtel où on était hier? Je préfère ici, moi. Je préfère la vraie vie. Hypocrite. La vie dure. Tu es hypocrite. Je préfère la vie dure. Non, je suis pas hypocrite. Hypocrite. Je te parle sérieux. Moi, j'ai vécu dedans. Hypocrite. Là, c'est pas aligné deux mots en anglais, c'est ça qu'elle va dire aujourd'hui. Hypocrite. Oh. Là, c'est hypocrite. Donc là, on attend parce qu'il n'y a pas la lumière dans la chambre. Gossou, tu restes avec moi. Où? Ouais, j'ai trop peur d'aller me laver. Rentre avec elle, mon frère. Non, tu vas aller toute seule. Hein. Non, chacun son chacun, mon sauce. Comme. Il va où, lui? Pas dans la chambre ou quoi? Bref, on dit. Bon, du coup, qu'est-ce que t'en penses de ce monde-là aujourd'hui? Là, gré d'ouf, hein. Le poisson il est gré d'ouf. Les rires sont pas mal aussi. Mais le poisson il est grave gris, wesh. Il est bien dur, ma gueule. Comme ça, wesh. On s'est même pas lavé. Regarde comment c'est on se pas brossé. On dirait les. Bah, tu dis rien. Tu laisses un, tu laisses un blanc. Bien joué. Du coup, la nuit, en vrai, ça c'est quoi? C'était quoi le truc? Il y a rien eu. On n'a pas du fil, la chambre. Pourquoi du fil dans la chambre? Mais hier, on est parti, regarde, on est parti manger au restaurant. Il y a un restaurant en fait dans le parc. Ça va, on fait. Et ouais, c'était bon. Toujours grillé notre poisson. Non, mais la nuit, en gros, c'était. Bah, on a mis la moustiquaire, on a mis un produit pour les moustiques. Franchement, il a marché quand même. Il a fonctionné et tout. Juste, ils ont coupé le ventilo. C'est son truc qui sert à rien, frère. Quoi? C'est juste que c'est. Quand il y a le ventilateur, on a mis le ventilateur à 3,
niveau 3 max. Du coup, comme il y a du vent, les moustiques ils s'approchent pas. Donc, c'est juste pour ça que le truc, c'est pour ça que les moustiques ils ont pas, ils ont pas, ils ont, ils ont rien fait. D'accord. Elle voulait aller pisser pendant 3 heures. Hein. Elle voulait aller pisser. Hein. Voilà. Elle a attendu que moi je me lève. Elle voulait même pas me demander. Hein. Elle a attendu que je mais me lève. Mais parce que t'allais te plaindre encore. Oh, elle s'attoue, oh là là, oh, elle s'attoue, oh là là, oh, elle s'attoue, du tout, elle s'attoue, elle pleure, Gaussu n'est pas content, elle s'attoue, elle parle pas, Gaussu n'est pas content, elle s'attoue, elle dort, Gaussu n'est pas content, elle s'attoue, elle rigole un peu trop, Gaussu n'est pas content, elle s'attoue, elle veut s'asseoir, et Gaussu veut rester debout, Gaussu n'est pas content, elle s'attoue, elle veut pas manger, Gaussu veut manger, Gaussu n'est pas content. En fait, tu t'arrêtes au bout d'un moment de temps de me critiquer sur ce que je fais en fait. Tu sais, je vais faire quoi, Gaussu? Je vais te filmer à chaque fois que tu te plantes sur moi, ok? Et on va faire une compilation, parce que c'est vraiment, il faut que ça cesse. Allez, on y va. Vous avez vu là, je vais me partir, Gaussu, comme il a pas envie, et bah il va rester. Et s'il lui veut se lever et moi j'ai pas envie, et bah il va se plaindre. Tu, ce fils de pute là. Merde, ma gueule, dis pas de gros mots. Ce fils de pute là. Ah, les moustiques. C'est bâtard à l'aimer. Anis-Roma. 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 Comment tu dis? Kobe Chokodi. Kobe Chokodi. Kobe Chokodi. Kobe Chokodi. Voilà. Et hey, la malienne Bambara 100% à Dandedo. Du coup, raconte la journée. Quelle journée? On va manger, on va partir, non? Ok, on mange, on part. On prend le truc de la voiture, on fait 8 heures de trucs. On rentre à Dar es Salaam. On a notre vol à 18h, je crois. D'ailleurs, faut que j'envoie un mail. À 18h quelques, on rentre à Matemoué là, on va dans notre belle villa sans moustiques, sans bêtes. Moi ouais, j'aimais bien ici. Je pourrais rester ici encore. Une petite. Chacun sa vie, hein. Welcome. Ça, on va faire... Et c'est tout, la guerrière. Qu'est-ce qu'elle va nous faire? Elle nous charge, elle nous charge, allez. Ça, mais c'est tout, c'est bon, plein d'infiltration. Allez, c'est tout. Comment on fait dans la jungle? Écoutez-nous. Bon, en fait, on se rapproche et on part directement. Ok, donc on se rapproche et après, qu'est-ce qu'on fait? C'est tout, qu'est-ce qu'on fait? C'est tout, nous sommes. Ok, Wally, mais il y a un truc. Et ça, les Rangers. Quoi? Je sais, frère. Ils sont là, un là, un là, et vous nous encerclez en fait. C'est des plans, ils sont malins, c'est des humains en fait. C'est pas grave. Au revoir le safari, au revoir la chambre, au revoir la cuisine, au revoir les singes, au revoir la... Au revoir les lions, au revoir les rhinocéros. Donc là il est midi, oui j'ai une tête comme ça parce que j'ai dormi bien évidemment. On rentre à l'aéroport de Dar es Salaam, donc c'est à genre 7-8 heures de route. On a pris la route vers 9h30. Ce matin, du coup, on est reparti voir les animaux et tout. C'était trop bien. Donc là, on s'est arrêté. On a un peu de retard. Du coup, on va pas manger à midi. En fait, on va foncer directement à l'aéroport. On s'est arrêté. Il nous a acheté de l'ananas. Et je vous jure, je n'ai jamais mangé un ananas comme ça. C'est tellement, tellement bon. Moi, j'ai dit à Gaussu, je rentre pas en France sans avoir pris d'ananas dans ma valise. Je sais pas comment je vais faire pour les transporter. Mais je rentre pas sans ananas. C'est le truc préféré de ma mère en plus, je rentre pas sans ananas. C'est tellement bon. Du coup bah là on va pas manger, Gaussu il est parti s'acheter 2-3 trucs à grignoter parce que bah on va pas déjeuner. Moi je reste avec mon ananas là. Et de toute façon à l'aéroport après de Dar es Salaam à Zanzibar c'est 30 minutes. Quand on arrivera à Matemoué, on mangera bien ce soir. Je laisse mon ventre un peu vide comme ça ce soir, je vais bien manger un bon poisson ou je sais pas. En tout cas voilà, il pleut. Et tout à l'heure il pleut, donc c'est pas une pluie, voilà, en plus ça rafraîchit et tout, ça fait du bien. En plus on est en voiture donc ça ne me dérange pas. J'ai perdu des 2-3 distances aussi devant. Ah, là j'ai fait le choix de pas aller aux toilettes mais je regrette déjà. Parce que si on s'arrête parce qu'à l'aéroport... A tout à l'heure. Ça a l'air méchant, bien arrivé. Aïe
ça doit ici, fatigué, les yeux gonflés. Ok, dis-nous. So, hier on est arrivé. Oh, English. Hier on est arrivé pas tard, mais il faisait très très nuit, donc on ne peut pas bien vous montrer la chambre. Mmh. On va vous montrer après. On a eu Safari, franchement c'était bien, c'était long, mais c'était bien. Mmh. Et on arrivait à Matemoué vers 20h. Donc là on arrive à notre magnifique hôtel, comme vous pouvez voir la vue extra. Donc là, on est que à la partie petit déjeuner. L'hôtel est de l'autre côté, il est magnifique. Il est magnifique. Extraordinaire, merci Aïssatou. Merci Ayana. Donc là, on prend notre magnifique petit déjeuner. Donc ça, on a été servi de fruits. Donc ça, c'est servi tous les jours, je pense, c'est pas un jour. Et on a pris... En fait, il y a une sélection de petits déjeuners. On a pris des œufs brouillés, du bacon halal, bien sûr. J'ai fruit, elle a pris orange, jus d'orange. Tu peux que être de bonne humeur en fait. C'est fou. Voilà, tu peux que être de bonne humeur. Sur la plage, c'est tout. On a pris des quelques vidéos, mais genre on n'a pas parlé, on n'a pas fait d'activité. Ouais. Si on a dormi. Bah là aujourd'hui on va voir les dauphins. Et on s'est réveillé très tôt. Le dauphin, ouais, là il est 7h. 30 déjà. 30 déjà et ouais. Pas trop beau. Je pense qu'il va pleuvoir aujourd'hui. Ouais. Et bah, on fait les dauphins et on va acheter à manger aussi en rentrant. C'est tout. Oh, ouais. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. On va voir les dauphins. Après, on rentre. Et voilà. Et on se pose. Et comme d'hab, on chill. Ok, à tout à l'heure. On est où là? Je vois là. Alors là. On va aller voir les dauphins. On attend le bateau. On va aller avec les dauphins. Donc, il a un peu peur de la profondeur. J'ai vu la base qu'on a été. C'est pas trop le contraire? Bonjour Gaussou. Bonjour. Comment vas-tu après des jours de non-vlog? Je vais très bien. En fait, j'avais besoin d'un peu de repos. Ok, explique-nous pourquoi. C'est ce que je voulais revenir ici. Mmh. Donc, j'en ai profité. Qu'est-ce que tu as fait pendant ces jours-là? J'ai fait la Coupe du Monde. Je suis parti sur la plage. Tea for me. Alors, j'ai rien fait. J'étais dans la piscine qu'on avait, dans une chambre. Je suis parti à la plage. Ah oui, parce que c'était des vacances photos. Pour rien faire à la base. Bah ouais. Donc voilà, c'est tout. Hein. C'est pour ça qu'on n'a pas vlogué déjà parce qu'on ne fait pas d'activité. Bah, on va pas vous vloguer ce qu'on fait. Plus rien. Rien quoi. Ok, du coup aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on va voir les tortues. Inch'Allah. Comment ça, Inch'Allah? Inch'Allah, on trouve. On va trouver, c'est vers là-bas que ça se passe. Donc, dites qui? T'as pas rentré nos mères. So, à tout à l'heure. Bon appétit, Gaussou. Merci beaucoup. Gaussou, des tortues. Comment ça? Soudainement. Par les chasseurs, les pêcheurs. Les pêcheurs qui tuent les tortues. Gaussou les a sauvés. Et voici aujourd'hui qu'il est tout tendre avec eux. On dirait même qu'il est né tortue. On dirait même que
ressens. C'est maman qui me tortue. Je viens à ta mère. Nos visages. Ah, ça va quand même, on a l'impression d'avoir de la crème, on a pas de crème. C'est naturel, t'as pas dit. Là, c'était vraiment lourd. C'était bien. Hein. C'était lourd. Vraiment, vraiment, vraiment. Bon, là maintenant, on va jet ski. Et après, on mange. Et après. Du coup, là, on attend le jet ski. Il y a votre copine, là, je sais pas ce qu'elle fait. Elle est dans le sable. Du coup, on attend les jet skis, ça arrive. Jet ski super cher, hein, quand même. Hein. J'abuse un peu du prix. Hein. De fou. C'est sûr qu'on arrive juste à trois. Ouais, c'est ça. Mais bon. Alors, voici Essatou qui veut prendre des fruits. Voilà. Et surtout avec la tête plein de sel. Oh mince. Regardez là. La goutte des zanzis. Gansou, il aime trop dire toi oui. Même si on va dire une banane à 10 000 euros, il va dire oui. Pourquoi tu fais crari, t'es une grande négociatrice et tout alors que... Bah non, je ne sais pas négocier. D'accord. Mais j'ai quand même le sens de le... Allez, tchit. Hello. Les revenants. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas vlogué? Dormais. Ça doit faire 3 jours qu'on n'a pas vlogué. Mais on vous a dit déjà, là on a pris des vacances. C'est un voyage de noces. Donc on fait que de dormir. On fait pas d'activité, du coup on peut pas vous snapper. Enfin on peut pas vous vlogger quand on dort. Donc ces derniers jours on a fait quoi? On a annulé une activité parce que j'étais malade. Et pendant 3 jours on a rien fait. Parce qu'on avait rien à faire. Une activité et rien à faire. Et du coup comme on a annulé l'activité pendant 3 jours on n'a pas vlogué. Et vous avez rien raté. Là, il est 10h, 10h04, on va prendre notre petit déjeuner et on va partir parce que c'est notre dernier jour dans cet hôtel-là. On part à Stone Town, donc dans la capitale, dans un hôtel qui s'appelle Kisiwa. J'espère que la chambre sera bien, j'ai rêvé de ça d'ailleurs. Et dans mon rêve, la chambre a été vraiment belle, j'espère qu'elle sera bien. Je sais qu'elle sera pas aussi grande que celle qu'on venait d'avoir là parce que là on avait une maison genre. Mais bon, j'espère qu'elle sera quand même bien. Dans quel mood te trouves-tu aujourd'hui? Apaisé. Fatigué ou pas? Un peu. Mais là, si tu vas manger, ça va donner des forces. Parce qu'on a une heure de route. Hein. Ah ouais? Bah, rappelle-toi qu'on est venu chercher l'aéroport. Et je sais que l'hôtel, il n'est pas très très loin de l'aéroport. Donc on a une heure de route, donc elle va se reposer. Elle va regarder sa série, je pense, avec de la musique. Demain, je crois qu'on a une activité demain. On a deux dernières activités, je crois, après c'est fin. Franchement, on a kiffé cet hôtel, il était vraiment bien. Mais de toute façon, je pense qu'on fera une vidéo par rapport à nos vacances parce que je pense qu'on va avoir grave des questions. Mais on verra. Voilà, à tout à l'heure. À tout à l'heure, mon bébé. Alors là, on a un petit problème à l'hôtel. On a trop mangé. Ouais, on a trop mangé. On a plus d'argent. Ouais. Non, c'est faux. Notre argent, il est au West. Notre argent, il est au Western Union. On a plus d'argent. Mais là, en fait, il faut qu'ils nous laissent aller au Western Union pour leur donner leur argent. On a trop mangé, wesh. Ouais. Gaussou, il a trop mangé. Moi, j'ai trop mangé. Moi, je mangeais même pas des fois à midi et tout, Gaussou. J'ai faim. Alors que je suis sûr que des fois, il n'y avait même pas faim. Moi, j'ai faim, wesh. Ouais. C'est bon. Hein. On va à l'hôtel là-bas aussi, hein. L'hôtel là-bas aussi. C'est bon. On a réglé. Ils nous ont lâchés. Ouais, elle est en prison, là. Oui. Ici, la prison, on allait faire 10 ans hein, de prison, là. En partance pour voir les Maasai. À base, on devait le faire de safari. Mais le guide nous a dit qu'il n'y avait pas de Maasai. Bref, il y a eu un problème. C'est-à-dire qu'on le fait là à Stone Town. Ouais. On aurait voulu le faire quand même au safari. Ouais, safari, ça aurait été mieux. Donc là, on ne sait pas du tout ce qu'on va voir. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer en tout cas. Mais ce que je sais, c'est qu'on va voir les Maasai. Voilà. Il a l'air facile. Là, c'est sur Vixen, c'est en bois. Ah, c'est.
Yeah. Ah, Soto. Yeah, Soto. Soto. My name is Ole. Okay. It's my same name. But I have another name. Second name is David. Mm-hmm. David? Yes, it depends what you like to call me. No, Ole is good. Yeah, really? Yes. Okay, good. After, they have to go to inside. Let's go. Donc là, on est le 4. On va à Prison Island, Inakupenda, je sais pas quoi là. Là, on va prendre un petit bateau, je crois. Il fait tellement chaud. On va chercher à manger. On a pris des shawarma. C'est du grec. Là, oui, c'est écrit shawarma. Et là, je prends une. Thank you. Et là, je viens de prendre une crêpe au Nutella. Là, on va chercher quoi? Frites. Brochette. Après, on va regarder le match du Sénégal. Allez, le Sénégal! Là, en fait, hier, on était ici et il y a un cuisinier qui nous a arrêtés. Et on lui avait promis de revenir aujourd'hui, donc on est vraiment revenus. En plus, il nous a reconnus. Et du coup, là, on a pris brochette. On a pris. Le truc là, tandoori là. Ouais, il a pris des samosas, des crevettes et tout. Avec des frites. Et on va manger à la maison. Voilà. Et on va prendre à boire là. Gaussi il a pris mangue, avocat. Ouais, c'est pas mal, c'est bon. Et moi je vais prendre un soda. Voilà. Gaussi il va goûter ça. Du canne à sucre, je crois que c'est ça. Ouais, canne à sucre. Just looking. Look, it did not cost anything. Just wow. Looking. Very beautiful, thank you. Du poisson et tout. Allez, c'est la dernière. Dernière activité. Soirée. Triste. Ouais, soirée. Dernière soirée qui a été organisée par notre organisatrice de vacances. Ah, Yana Zanzibar. On va voir ce que c'est. Let's go. Bon. Yes, bref. Mais enfin arrivé. Ouais, ça fait deux fois il est venu. Deux fois. Oui, moi je suis. On me voit même pas là. D'accord. Ouais, j'ai beaucoup avancé là. T'as la lumière, il y a pas. Deux fois on a le même vide, deux fois il arrive en retard. En plus, il sent l'alcool. Et puis, il pue l'alcool. Mais c'est un bon, il est gentil. Ouais, il est gentil. J'avais vu ça. Là, il y a des fruits. Je mange, hein. C'est très fin, vous avez.
Eh, c'est trop beau. En fait, je pense qu'on va rester que ici, quoi, le temps de manger, de faire des petits tours et tout, mais c'est vraiment trop beau. Ouais, c'est vraiment trop beau. Regardez le petit mot, trop mignon. Il est trop mignon le mot. On a rien à dire, ça se voit à notre tête. Bah, c'est la fin. Hein. Dernier repas. Et après, on rentre. Dernier jour. Après, on rentre. On rentre. Ah, non, on va au Kenya d'abord, après, on. Au Kenya, on fait un escale au Kenya. Ah on oui! Au Kenya, tu pas moi. Bah, du coup, c'est fini. Hein. Ouais. Et bien, au revoir. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Thank you.